vous de proposer ce qui, selon vous, est le champion qui va le moins bien avec Skarner. Et on sera obligé, enfin, le moins bien, ou alors si vous êtes gentil, vous me mettez, vous me dites Ashe, par exemple, ou vous me dites Kog'Maw, ou Rek'Sai. Mais, bon, ça serait quand même moins drôle. Taric. Alors, pas de légendaire, par contre. Pas de légendaire. Broom. Pour l'instant, c'est Broom qui gagne. Pas de légendaire, parce qu'on peut pas vraiment jouer autour des légendaires. Yorick, Vayne, Nasus. Pour l'instant, il y a plein de Nasus. Yvern, Senna, Jax. Pour l'instant, c'est plutôt Nasus, hein. Nasus encore, Senna, Broom. Ça se joue entre Nasus et Broom. Ça se joue entre Nasus et Broom. Quelques Senna également. Nasus. Bon, ça serait Nasus, du coup. Ok. Vous êtes sur Nasus. Donc, alors, le score n'a pas d'intérêt. C'est le score de la semaine dernière. Donc, on est sur Nasus. Et je vous avoue que je suis bien content que vous n'ayez pas choisi Senna parce que j'avais pas préparé les images de Senna et de Lucian. Donc, on est sur Skarner Nasus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un petit LOL Chess, un petit builder. Là, comme ceci. Voilà. Et on met Nasus et Skarner sur notre builder. Tu vas te faire encore carry par le chat. Donc, à vous maintenant de trouver. À vous, on va trouver ça ensemble. Alors, Nasus et Skarner. Moi, qu'est-ce que je retiens de ça? C'est que Nasus, c'est un Warden et que Skarner, c'est un Cristal. Donc c'est un truc qui est ultra tanky. Alors ça donne envie de faire un truc avec des Warden. Genre imaginez qu'on joue, qu'on hyper-roll des Warden. On essaie d'avoir Nasus 3, Broom 3 et tout ça. Orn, qui coûte pas cher, peut-être, à la limite, on s'en fout d'océan. Je sais pas. Et derrière, on a besoin, d'avoir du DPS, des trucs qui tuent. Les Warden Tank. Autour de Crystal Warden. Mais si on joue en late avec Taric, on n'aura pas la possibilité d'hyper roll. Ou alors on joue juste 6 Warden. On rajoute, par exemple, Orn. En attendant d'avoir mieux. On joue 6 Warden, on met Crystal avec Skarner, et il nous faut un autre perso. Mais là, on n'a pas moyen de tuer les gens, ou alors on fait une Broom Strat. Le problème, c'est que le Crystal arrive très tard avec Taric. On peut mettre Ashe en attendant. Non, sinon, moi, mon idée, c'était d'avoir 4 Warden ultra tanky qu'on essaie d'avoir level 3, et avec ça, on hyper-roll les Prédateurs. Ça ressemble à rien, hein. Ça ressemble à rien. Je viens de drop une soif de sang en compo BM, ça se place sur qui? C'est pas terrible, tu peux mettre sur Kha'Zix sur Nocturne si t'as une place, mais en vrai, Rodder Warden, tu mets un random Skarner pour Crystal. Alors l'idée c'est de jouer des compos qu'on ne voit pas normalement. Donc de pas tricher, c'est-à-dire de même si là il y a une compo qui existe avec ces deux persos, de ne pas la jouer, d'essayer de trouver autre chose. Plutôt Warwick, ouais, pour avoir Glacial, même si ça change pas grand-chose. Après, là, le problème, c'est que le Skarner, on n'utilise pas ses synergies. On a envie d'utiliser les synergies qu'ont les personnages qu'on joue, en fait. Donc peut-être que j'ai mieux, regardez. J'ai un truc qui va utiliser toutes les synergies de Nasus et de Skarner, sauf Predator. Ça serait un truc avec Ashe, Vayne, Ezreal. Du coup, on jouerait un troisième light. Taric en light. On mettrait sûrement Taric en light, mais on met un Varus, on s'en fout. On met un quatrième Ranger. On donne Crystal et du coup, on rajoute un light. Ou alors on improvise, hein. Ashe Ezreal. Ouais, Ashe Ezreal, on a Crystal.
On a deux Warden, on a Glacial. Et du coup, on rajoute un Light. Qu'est-ce qu'on rajoute comme Light? C'est un Warden Ranger Light. Alors, c'est bizarre, du coup. Et on transforme quelqu'un en Light. On fait Skarner Light. Je sais pas, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà avec les Warden. Moi, j'ai envie de faire. On transforme Skarner en Warden. Regardez, regardez, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Ce qui sert à rien puisqu'il a cristal à la fin. Mais on s'en fout. Et on joue Malphite, Taric, Thresh. Alors on joue pas Malphite du coup. On joue Nautilus. On fait 6 Warden. Et on stuff, et on stuff, on stuff Skarner, ultra tanky. On va tenter un truc autour des Warden. On va même peut-être les hyperroll, on verra. On va prendre tous les Warden qu'on a, et derrière on va essayer de mettre du dégât. On lance ça. Ça va probablement ressembler à rien. Vous avez été un petit peu salaud à choisir Nasus avec Skarner, mais comment on enlève l'item? Quel rank t'as parti? C'est Fer 2 là, c'est les premières games sur le compte. Ça marche peut-être en bronze? Bah tu sais, j'ai fait top 1 la semaine dernière avec Soraka Blade Master. Il y a quand même des golds hein, dans le lobby, putain. Ça va être nul de voir stacker les Négatrons pour avoir de la MR et pas que de l'armor. On peut faire, en vrai, on peut faire un hyper roll Nasus et faire un Nasus avec Thornmail, Croc du Dragon et Warmog. Je sais pas quelle heure stream. Moi, je stream jusqu'à 14h. Je sais pas quelle heure Torque stream aujourd'hui. Je sais pas s'il stream aujourd'hui. Il stream pas le vendredi Torque, je crois. Parce que du coup, l'idée, c'est de toujours stuff les persos qu'on a tirés au sort. Il faut pas juste les mettre et avoir des carries. C'est les persos qu'on a tirés au sort et que vous avez choisis qui sont les carries. Donc, on peut faire un Nasus avec Thornmail, Warmog. On met pas sur Braum, du coup, on met sur Nasus. Et un Croc du Dragon. Avec ça, on lui met plein de Warden. Il me manque un Warden là, parce que je vais pas faire l'item Warden, probablement. On va un Malphite. Et on a juste le Skarner, et on est absolument ultra tanky. Ou alors on met le stuff sur Skarner plutôt qu'aura Crystal à la fin. On fait un Skarner ultra tanky, comme ça. Et on met full Warden. On fait un truc qui va en overtime tout le temps. Imagine c'est la game où tout le monde joue désert. Tu sais que le pire, c'est que désert, c'est une synergie qui est attirante sur le papier. Quand tu dis moins 90% d'armure, mais c'est insane. Et du coup, je pense que de les barrants, y a beaucoup de gens qui jouent ça. Pas moyen d'ajouter un perso de dégâts. Bah, à la limite, on peut enlever Thresh et Nautilus, jouer que 4 Warden, et faire aussi un hyper roll avec Vayne. Et un autre light. Disons Soraka. Mais ça ressemble vraiment à rien, quoi. Le truc, c'est qu'on n'utilise pas les synergies de Skarner. Warden Poison, c'est viable, tu penses? Non, je pense pas. Tu focuses le stuff de Nasus, il peut être très bien en dégâts. Ouais, non, mais l'idée c'est de faire soit Nasus, soit Skarner, mais après c'est vrai que Skarner, du coup, s'il a cristal à la fin, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon après, 3 lights pour des persos qui ont pas de stuff, c'est pas forcément très intéressant, hein. On pourrait juste rajouter Predator, hein. Bon, comme ça, on utilise les plus de synergies des persos qu'on a tirés au sort, en fait. On a une compo niveau 7. Tu peux jouer Predator Warden. Moi, ça me plaît, hein. Alors, je vais commencer. Je vais prendre une ceinture, du coup. Je vais essayer de faire Warmog. Donc, l'idée, c'est du coup, en fait, d'avoir une compo qui est
complètement intuable, c'est-à-dire tout le monde qui focus les Warden pendant que les prédateurs font du dégât. Alors le problème, c'est que on va faire plutôt comme ça, pour la simple et bonne raison que si la compo est niveau 7, on n'est vraiment pas sûr d'avoir Taric. Donc on est plutôt obligé de miser sur le stuff Nasus. Donc il faut qu'on hyper-roll les Warden et les Predators. On tente ça? Ça va être chaud d'avoir un Taric niveau 7. Hein. Il va falloir chatter un carrousel ou quoi. Alors c'est bien, on a des golds, parfait pour hyper-roll. Ce qui me fait un peu peur, c'est que... Oh, on a déjà le Nasus, incroyable. Allez, on lui met la ceinture direct. De toute façon, on est là pour jouer les persos qu'on a tirés au sort, on n'achète même pas les autres. Tu joues Ashe le temps d'avoir Taric. Ouais, je peux jouer deux Warden avec Ashe le temps d'avoir Taric. Pistolam, Nasus, ça vaut quoi? Écoute, j'ai déjà vu Pistolam, Croc du Dragon sur un Nasus 3. Et Morello, et bah, il était intuable. Il était intuable. Ce qui me fait un peu peur, c'est que comme Predator est une compo populaire, j'ai peur que les gens ils nous hyperrollent les Predators. Par contre, ils devraient pas nous piquer les Braumes, quoi. Oh, début de Croc de Dragon. Pour l'instant, les items, c'est bien. On a pas mal de gold. Est-ce qu'on prend, on prend les Warden pour l'instant? Même si on jouera pas Nautilus à la fin. Donc on a dit nos Warden, du coup c'est Nasus Brome hyper roll. Et on ajoute Malphite et Taric. Au début c'est juste Nasus et Brome du coup. Avec des prédas. Après on peut, en attendant d'avoir Taric, jouer un Nautilus. Donc on va faire un hyper roll de Predator. Mais on va pas le jouer avec Poison, on va pas le jouer avec Berserker, on va pas le jouer avec Acier, on va le jouer à notre façon quoi. Et on va faire un Nasus Carry. L'idée c'est que le but ça va être que tout le monde se suicide sur le Nasus. Et que... Bon par contre je vais pas avoir les 20 gold. Que tout le monde se suicide sur le Nasus. Et que les prédateurs derrière fassent juste des tout petits dégâts pour les achever avec le prédateur en fait. Ça va probablement ressembler à rien. Enfin, regardez, en plus il y a déjà des mecs qui partent sur Préda là. Et là il y a un... Oh putain lui il va hyper roll les Nasus. Il joue light. C'est terrible. Si tu as pas une seule armure, tu fais quoi? Bah je pleure, évidemment. Lui, il va me piquer les veines. Il est Nasus, je veux dire. Il est parti sur un light, on dirait. Ne parle pas de malheur, Evandar. J'aurai des armures. J'aurai tout le stuff que je veux. Moi, je me suis habitué. Hein, la semaine dernière, j'ai tiré au sort Soraka. Le jeu, il m'a donné Soraka 3 sans roll. C'est-à-dire juste en prenant les Soraka qui étaient dans le shop, j'ai eu Soraka 3. J'ai eu un Séraphin, j'ai eu vraiment tout, quoi. Ok, on a Kog. Je préconise Warmog, Pistolam et Thornmail. Je pense que c'est important d'avoir Croc du Dragon quand même. Tu testes la compo sur plusieurs games ou nouvelles compos à chaque fois. Alors la semaine dernière, j'ai fait deux games avec deux compos différentes. L'idée c'est que, en fait la semaine dernière j'ai fait top 1 sur la première, donc j'ai dit bah c'est validé, on en tire au sort une autre. Je pense que je vais faire pareil, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a peut-être mieux à faire, on retente, si jamais je fais genre un vieux top 8. Si ça se passe bien et qu'on arrive à faire top 4 ou mieux, on en fait une autre. Parce que je trouve ça sympa aussi d'en faire deux différentes chaque semaine. Surtout si ça marche vraiment pas, de pas se focaliser dessus et de tester autre chose. Bon, j'ai pas mal de gold en tout cas. Warmog peut être ici s'il y a déjà Pistolam. On verra. Mais de toute façon, c'est la Thornmail qu'on veut. Hein. On veut Thornmail Crow et puis on verra si on fait Warmog ou Morello avec la ceinture qu'on a équipée là.
Ok, Cog, Nasus, Nasus. On a déjà un Nasus 2. Excellent. Excellent, on n'a pas encore vu de Skarner. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est avoir les 30 gold en vendant ça, le Horn et le perso du carreau. Donc sur le carrousel, on veut armure ou Négatron en prio. Il y a un monde où tu rentres luxe. A priori, la compo se finit level 7, donc je suis pas sûr d'avoir Taric. Donc c'est trop ambitieux de penser à luxe, mais si on aïrole une luxe cristal, on la rentrera avec plaisir. Mais globalement, sur le builder, quand on crée la compo avant de lancer la game, on ne va jamais mettre de luxe dans la compo et on évite les légendaires. Le fait de tomber sur la bonne luxe est trop... Le fait de tomber sur une luxe est improbable et le fait de tomber sur la bonne luxe l'est encore plus. Donc voilà, on mise pas dessus. Y a pas de MR, je vais prendre l'armure, c'est quand même le plus important, même si ça me finit pas un item tout de suite. C'est quand même le plus important. Bon, et le Nasus, je vais essayer de prioriser la Thornmail. Moi, je pense que je veux Thornmail, Warmog et Croc de Dragon. Putain, ils sont... Ok, c'est une catastrophe, il y a deux mecs qui jouent Mail, qui jouent Veil... Oh putain, ok, il y a trois mecs qui jouent Light. Ok, donc lui il joue light. Lui il joue light. Et lui il joue light. Donc on aura absolument jamais Nasus 3. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ok, j'ai dit qu'il jouait light, mais il a push level 5, alors il va pas hyper roll du coup. Je vois qu'il a fait Ginzu sur Vayne en fait, donc ça donne l'impression qu'il va jouer... Il fait comme moi, regardez, il fait du Warden. Et il va pas hyper roll, il a push niveau 5. Ou alors il va hyper roll quand même, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça se passe dans les lobbies en fer. Pistolam sera mieux que Warmog et Thornmail suffira pas. Je pense vraiment que Warmog est mieux. Au-delà du heal, ça donne vraiment beaucoup de points de vie, donc... Bon, pour l'instant, je full lose, mais les mecs ont push 5, ils sont hyper agressifs. Tu as oublié de vendre. Ah oui. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ça m'apprendra à chaque fois, mais c'est systématique ça. À chaque fois, je discute avec le chat pendant le carrousel et du coup, j'oublie toujours de vendre. Ça va le faire, ils vont renoncer en te voyant. Je sais pas, ils ont pas l'air partis pour renoncer, hein. Donc il y a vraiment tout le monde qui joue light dans les... On m'avait dit qu'à Baello, tout le monde jouait light. Je pense pas que c'était à ce point-là, quoi. Putain, mais rendez-moi les Brome, les Warwick et tout. Pourquoi tout le monde joue mes persos, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Je passe pas les Krugs, là. On va essayer de pas perdre sur les Krugs, parce qu'on a besoin d'items, quand même, hein. On peut essayer de tuer un mec. Okchamp. Tirer Rabadon avec un début de Seraph là. Salut Berrurier. Ok. Je suis pas sûr à 100% que ça passe. J'aimerais bien avoir Cog 2 ou Skarner 2 quand même. Ok. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc on va faire l'hyper roll de donc Nasus, les prédateurs et Broma. C'est chelou comme hyper roll, hein. C'est hyper chelou. Je sens que cette game va mal se passer, les amis. Putain, mais en même temps, vous avez piqué Nasus avec Skarner, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez été salaud, hein. J'ai une paire de gants.
J'ai un Morello éventuellement, c'est pas mal. Peut-être que je fais Morello plutôt que Warmog du coup. Alors, on va aller doucement parce que du coup, j'ai hyper roll pour des trucs que j'ai jamais hyper roll. Alors, je sens que je vais en louper plein. Je vois pas un Azus, hein. J'ai presque Skarner 3. Ok, en termes de Nasus, c'était compliqué. Hein. Faut dire, il y a d'autres mecs qui hyperrollent les lights. Donc, est-ce qu'ils ont hyperrollent les autres? Il me manque 3 Nasus, il me manque 1 Skarner. 2 Warwick, et par contre j'ai pas beaucoup de cog. Ok, donc un Warwick. Et j'ai vu qu'un Brome aussi, l'air de rien. Donc on fait Morello. On lui met l'armure. Et je pense qu'on met les gants du voleur sur Skarner. On se dit que... on n'aura pas de stuff à lui mettre et comme c'est un des deux persos tirés au sort, on a envie de le stuff en fait. On n'a pas envie de le laisser tout nu. On n'a pas envie de le laisser tout nu parce que le but, c'est pas seulement de jouer les persos qu'on a tirés au sort, mais c'est que ce soit nos caries en fait. Ah mais il y a des mecs qui ont hyperroll les Nasus là, regardez, lui aussi il a hyperroll les Nasus, il en a 5. Forcément c'est la merde hein. Il me faut la Tord Mail. Salut Rouladine, le duo en problème c'est pique au hasard et c'est en ranked. Alors c'est en ranked mais sur un smurf qui est en iron pour l'instant. Donc comme je le disais au début, le but ça va être en fait de monter ce compte uniquement avec le duo improbable et de voir jusqu'où on peut aller. Le premier champion est tiré au sort, donc là on a tiré au sort Skarner et le deuxième est choisi par le chat. Parce que alors on s'est dit que, au moment de créer l'émission, on s'est dit que si on tirait au sort les deux, bah, il y avait quand même des chances que ça fasse un truc genre Brand et Annie et que ce soit trop facile en fait. Donc lui il a hyperroll les Preda. Lui il a 5 Nasus. Lui il est vraiment en train d'hyperroll les Brome. Lui il a 3 Nasus. Lui il a 3 Nasus et 2 Brome. Donc en fait je suis tombé. Là il y a Brome Warwick. Je suis vraiment tombé dans un lobby où tout le monde joue mes persos quoi. J'essaie de jouer un truc improbable. Et y a quand même des gens qui me piquent les persos. C'est incroyable. Pas si improbable que ça en silver du coup, on dirait. Alors, est-ce qu'on peut avoir une armure? Go H cristal. Non, ce n'est pas dans la compo. On aurait pu la prendre en transi, mais on n'est pas dans une optique de transi là. On est dans une optique de faire notre compo sans réfléchir. J'ai la test quel duo. Alors les rediffs de la semaine dernière sont sur le YouTube Armateam si ça vous intéresse. J'ai fait une game avec Soraka Renekton où j'ai joué 4 Blade Master avec Soraka transformé en Blade Master. C'était une game insane. C'était trop marrant, vraiment une des games les plus fun que j'ai joué de ma vie. Et la deuxième, c'était Brand et j'oublie tout le temps. Et Horn. Ça s'est pas bien passé, ça. Brand et Horn, ça allait pas bien ensemble. Salut, Squeezie. En fait, on s'était interdit de jouer Mage. Parce que c'était trop facile de jouer Brand avec Mage. Et il s'avère que Brand sans Mage, c'est de la merde. Bon, j'aurais jamais... Ça va être chaud d'avoir un Nasus, hein. Je vais essayer d'écho. Ça serait bien d'avoir Warwick et Skarner pour me carrer un petit peu l'early game, là, quand même. Je vais pas roll, mais si on pouvait en toucher un des deux. Et du coup, lui, on veut lui mettre un Crow aussi. Je pense qu'on met la RM de toute façon. Cette façon, c'est Nasus et Skarner no carry. Putain, mais tout le monde a Nasus, quoi. Je suis tombé dans le lobby des Nasus. Et puis la mise à jour, c'est quoi la meilleure compo? Nocturne Blade Master.
Cette compo me fait rêver. Ouais, je comprends. Tout le monde rêve de jouer des Warden Predator. C'est vraiment. Je pense que c'est le futur de la méta d'ailleurs. C'est la future compo de Top Challenger, ça, je pense. Trop fort, Nasus. Trop fort. En vrai, il me manque que 3 Nasus, hein, ça peut le faire. Hein. Faut vraiment trouver Skarner et. Ok, nice. Ah, ouais, il est resté dans les bois, du coup. Tu viendras te battre quand même ou tu restes là-bas? Il est parti pisser, je crois. Regardez pas, fermez les yeux, il est parti pisser derrière un arbre. Changement! Je vais quand même le remettre, hein, parce que. En fait, j'avais vraiment peur que si je le laisse là, il ne participe pas au fight et ça m'aurait emmerdé. Vu que j'ai potentiellement une série de victoires, j'aurais été un petit peu embêté qu'il participe pas au combat. D'un côté, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait aussi. Tout peut arriver depuis la compo gardien Panthéon. C'était fort ça. Hein. Putain, mais lui aussi, il fait Brome Thornmail et. Vas-y, tout le monde me pique mes compos, quoi. Et il est fort ce petit Skarner 3. Hein. On regrette avec le Predator qu'il ait pas la Thornmail, mais bon, on a dit qu'on se te fait Nasus. Allez! Pas mal. On cherche un petit Brome 2 maintenant et on continue comme ça. On va juste roll notre excédent pour finir Nasus quand même et Cog. T'es bonus! Ça va et toi? Ça va très très bien. Je suis de très bonne humeur et je passe un bon moment. Et je suis diamant 2 et en fait j'ai envie de mourir hein, intérieurement. Le top 1 dream. Le top 1 dream, je pense. Je pense que c'est le top 1 dream avec Nasus Skarner là. Oh, l'hydre titanesque sur Skarner 3, incroyable. Allez, un Négatron. Ok, 40 gold. Je préfère Kog à Rek'Sai. Ça coûte moins cher. Donc là, oui. Parce qu'on était parti sur un hyper roll. Tu es de très bonne humeur, c'est que tu es repassé de Chal. Non, mais il va falloir que je joue hors stream, en fait. Nasus. Merci, je l'avais pas vu. Donc il me manque deux Nasus. On va chill, on va roll l'excédent des. On va roll l'excédent des 50, là, juste. Donc là, il y a 6 Nasus. Lui, il prend les Warwick, mais j'ai déjà niveau 3. Il prend les Brome, par contre. Donc là, il y a 6 Nasus. Là, il y a 3 Nasus. Là, il y a 3 Nasus aussi. Non, mais vraiment, les gens qui jouent tous Nasus, quand je veux jouer Nasus, quoi. Aucune personnalité, hein. Aucune personnalité. C'est honteux. Oh non, je perds ma série de victoires. Non! Ah, mais Séraphin Rabanon et Ezreal 2, c'est fort. Hein. C'est fort. La fameuse excuse du stream, tu l'as volé à Torque. Non, 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 c'est juste que je me concentre un tout petit peu plus quand je suis pas en stream, donc tout le monde joue light. C'est un lobby en fer, hein, bonus, je te rassure. On a Brome 2. On a Brome 2. Donc maintenant. Ah, il nous faudrait Nasus quand même, Nasus 3 avant de level up. Parce qu'après, on veut aller niveau 7 le plus vite possible. Sinon, on trouvera pas pour rentrer 4 Warden. Streamac évident. Ça m'étonnerait, ouais. Ah bah, niveau, ils sont tous focus sur Light. C'est une compo qui a l'air hyper populaire, ouais. Ça a l'air hyper populaire à Baello. Je sais pas, c'est sympa à jouer, c'est spectaculaire. Ça fait des persos qui attaquent vite. Et j'ai plus de son. C'est bon, c'est revenu. Allez, il me faut Nasus là avant de level up. Et est-ce qu'il reste des Nasus en fait dans le. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12.
Oui, large. Ouais, large. Large. Par contre, il y a vraiment des mecs qui sont niveau 8 là. C'était énervé comme niveau 8, hein. Ah, il y a Rek'Sai 3 qui va niquer mon Skarner là. Non, c'est bon. Allez, Skarner. Allez, champion. Allez, champion. Ouais, Skarner. C'est ça qu'on. Putain, ouais, ils équipent pas leurs items, hein. Ça, c'est les. Ils savent pas quoi faire en fait. Ça fait trop de décisions à prendre et du coup, ils sont un petit peu en galère avec les items souvent. On veut le Négatron. Si on n'a pas le Négatron, limite, je suis chaud pour reprendre une armure et faire une autre Thornmail sur Braum juste pour le lul. Ce serait très lul, non? Oh, il m'a pris mon Négatron. J'ai une larme. Ouais, vas-y, on va prendre une armure. Taric The Dream. Ça va être chaud de toucher Taric niveau 7, hein. Va falloir châter un carrousel, là. Mais il y a un mec qui a 13 PV. Ça, c'est un truc à bas elo aussi. Il y a des gens qui meurent tellement vite. Hein. Allez, un Azus. Dommage. Je m'en fous, je prends des armures, moi. Oui, c'est le duo improbable, bonus. T'as loupé un Braum. Ah merde, c'est vrai? Zut. Mon futur Braum 3. Il va falloir que je level up et que je croise les doigts pour Nasus, là. Il faut que j'aille level up pour rentrer mes 4 Warden, en fait. Sinon, je trouverai jamais Taric. Est-ce qu'on l'élimine, lui? Skarner Nasus, ça va? Je sais pas, hein. On est parti sur Warden Predator. C'est original quand même. On va pas l'éliminer, je crois. On lui met pas 13. Non. On lui met pas 13. On le trouvera le Nasus, non? Vas-y, on le trouvera, il en manque qu'un, on va level up. On va level up. On trouvera le Nasus. On finira forcément par le trouver. Warden Ranger. Oui, mais du coup, on triche pas, bonus. C'est-à-dire que c'est interdiction. Même si les deux persos s'y prêtent, c'est interdiction de jouer une compo qui existe. Donc, on a éliminé Warden Ranger. Charloquette. On a éliminé Warden Ranger. Lui, il est sur Warden Ranger. Mais il a tout niveau 1. Le problème, c'est que le Nasus, tant qu'il est 2, il tank pas hyper bien, quoi. Ceci, là, la Thornmail, il avait fait le taf, hein. Allez! 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 La Thornmail trop forte, putain. Nasus first DPS, hein. Nasus 2 first DPS avec la Thornmail, là. Donc là, il faut que j'aille chercher deux autres Warden et que je high-roll un tarif. Ah oui, attention, attention, parce qu'on se lance un million de challenges en même temps. C'est qu'en plus de jouer ça, on doit high-roll un Taric level 7. Hein. Parce qu'après, il faut que j'aille chercher Braum 3 et Taric pour avoir Cristal. C'est pas facile. Hein. Bon, les coqs, j'en suis très loin, mais tant pis. Hein. T'aurais pu c'était Skarner Warden. C'est ce que j'avais fait au début sur le Lord Chess. Et je me suis dit que c'était. En fait, j'aime pas. De la même façon que je ferais pas une compo dans le duo improbable qui repose sur une Lux, je fais pas une compo qui repose sur une spatule. Go Négatron? Ouais, c'est la dernière chance d'avoir un Négatron là. Ah, le jeu nous déteste. Ouais, le jeu nous déteste. Dommage. Donc, on va faire un Zephyr juste pour lui donner des points de vie. Oh! Donc on a 4 Warden. On a le Nasus 3. Un Hush. Non, on va pas faire un Hush sur un Nasus. On va faire ça.
Oui, Anmana, lui, 65, Shujin n'est pas intéressant. En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est ça. On va préparer le stuff de Tarika. On fera Shujin et cœur gelé sur Tarika. Bon, du coup, une partie du contrat est remplie. On a full stuff, Nasus et Skarner. Donc, on a full stuff les deux persos qu'on était censé jouer, quoi. Qu'on a tiré au sort. Donc ça, déjà, premier contrat rempli. Nasus, Skarner, c'est un peu broken. Oui, mais je les ai joués dans une compo qui n'est pas broken, quoi. Ah, on a Malphite. Du coup, on roll pour Brome 3, là. Et pour châter un Taric, c'est ça? Vous inquiétez pas. Après cette game, du coup, si on fait top 4 ou mieux, ce qui a l'air ok au niveau du start, on fera un autre tirage au sort. Crit d'espèce sur Skarner, hein. Excellent. Là, par contre, du coup, ça lui fait un bouclier à 1050, là. Baguette plus crit de spell. Enfin, gros bouclier. Level 8, ça. Ouais, mais du coup, j'aurais pas coq 3, quoi. Mais on va peut-être passer level 8. Qu'est-ce qu'on rajoute level 8, du coup? On cherche une luxe cristal. Oui, je sais, ouais, pour le Taric, c'est important, mais c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de passer level 8 vu qu'il y avait un hyper roll. Allez, on va passer level 8. On va tranquillement passer level 8, ça, pour trouver notre Taric. Donc, Taric qui prendra avec Malphite la place de Thresh Nautilus. Et alors, qu'est-ce qu'on rajoute au niveau 8, par contre, du coup? En vrai, je sais. On prend un item Warden sur le carrousel, et on fait 6 Warden. Ça vous va, ça? Enfin, je pense que c'est pas mal. Lux océan. Non, parce qu'on va virer les océans. Non, Lux cristal, ça serait bien. Mais on va faire 6 Warden. On va faire 6 Warden et on va faire un Asus intuable. Je suis sûr qu'il y aura l'item Warden sur le carrousel. Il y est toujours. Personne ne le joue, alors il y est toujours. Putain, il a Mumu, lui. Ah, compliqué, là. Hein. Compliqué. Ah, on est plus dans le top 4. On est plus dans le top 4. Raxa et le coq, tu n'auras pas le rang 3. Ah, il m'en manque que 3, ça peut encore le faire. J'ai le deuxième pic. Ah, je prends l'item Warden tous les jours s'il y est. Il est sur un cinch par contre, donc pas sûr que je l'ai. Dommage que ce soit sur un cinch d'ailleurs. Il y avait le Taric. Ah. Bon bah je prends le Taric du coup. Je prends le Taric et cinch. Ouais non mais c'est dommage hein, ça aurait été sur n'importe quel autre perso. Je l'aurais eu mais... Attendez, vous savez quoi le pire? C'est que je crois qu'il l'a pris pour l'item Warden, non? Oh putain, il l'a pris pour l'item Warden, il a vendu le Singe. Ok, alors on prend pas Nautilus. On fait ça et ça. Vraiment, le Taric RFC, j'étais pas prêt. Et du coup, on peut roll les level 3. On n'a pas besoin de... On peut roll... On a plus besoin de passer niveau 8, là, si. On peut roll Brome, Malphite et tout ça. On veut Brome 3 en vrai. C'est ça le beau jeu. Putain, j'ai deux signes. Le beau jeu, c'est Brome 3, je pense. Hein. Tu peux rajouter Talia pour le shield. Non, montagne en... Passer level 8 pour ajouter juste montagne en très late game, c'est pas... C'est pas hyper intéressant. Je pense que je veux même pas Singe, mais... Allez, bon, on est trop loin de lui, hein, mais... Allez, on va chercher Brome. On est des fous. On va chercher Brome et Cog. On s'en fout du level 8. Le level 8, c'est pour les faibles. Yes. Malphite 2. Ouais, je jouerai pas Singe, je passerai pas niveau 8.
Ouais, il y avait un triple Twitch, ouais. Il y avait un triple Twitch. Il me faut deux brômes. Côté épineux, c'est très fort contre H parce qu'elle fait plein de petits dégâts et ça la nique même avec le cristal. Par contre, c'est très fort contre cristal du coup, parce qu'elle fait plein de peu pour la même raison. Elle fait plein de petits dégâts et du coup, elle tue mon Skarner facilement. Enfin, le full gel. Ah, c'est fort les Warden contre Ranger, hein. C'est fort contre Ranger. Il arrive, il lui fait pas de dégâts. Le Nasus prenait littéralement aucun dégât. Allez, il me faut deux brômes. Danseur fantôme. On va faire danse fantôme sur Taric, j'imagine. Ou sur le brôme qui sera bientôt 3. Pourquoi pas. Gagner dans un lobby de Diam en étant gold, ça change quelque chose par rapport à si c'était un lobby de gold. Alors, le rang lui-même ne change rien, c'est plus ton MMR. Si tu as un MMR qui est plus bas que la moyenne du lobby, tu vas gagner plus de points sur une victoire et perdre moins de points sur une défaite. Inversement, si ton MMR est plus haut que la moyenne de la game, une défaite sera très punitive et une victoire te récompensera peu. C'est sympa le Taric RFC parce que du coup, il est bien placé pour... Il est bien placé pour Ulti, là. Cut de Warden pour entrer Poison, ça aurait été fat. Ouais, mais du coup, on se retrouverait sur une compo Predator Poison, qui est une vraie compo. Et ça enlève de l'intérêt du... On va mettre le Danseur Fantôme sur le Brome, qui est bientôt niveau 3. J'ai pas revu un Cog, hein, mais bon, après... Putain, Malphite 3, les gars. Très premier degré sur Malphite 3, hein. Un cog. Je trouve pas de brome. Je pense que je veux vraiment brome et malphite. Je vais grid et je vais pas passer level 8. Je m'en fous. Oh, putain, par contre, lui, il est vénère. Hein. J'ai vu un petit peu sa compo là, ça fait peur. Hein. J'avais pas vu, j'avais encore un locket et je me suis pas placé. C'est tellement fort H contre Cristal, ça counter tellement. La H, elle s'en fout de Cristal parce qu'elle fait que des hits à moins de 100 de toute façon. Donc, allez, suicidez-vous. Ah, dommage, dommage, dommage. On va roll, du coup, j'ai 11 PV. Putain, on est pas top 4, dur. À Moumou. Je sais pas, c'est peut-être mieux que Malphite si je l'ai level 2. Allez, un petit brome 3 là, s'il vous plaît. Putain, c'est insane. Je sais que je suis niveau 7, mais je vois pas un brome et pas un cog. Ah! Peut-être passer niveau 8 du coup si je meurs pas là. On va pas se mentir, on va peut-être passer niveau 8, hein. Si je meurs pas. C'est une condition pas facile à remplir. Je meurs pas, là, hein. Je gagne. On va passer niveau 8, du coup, hein. Level 8, ça aurait tout changé, c'est pas bon de roll pour les persos 1 de gold. En fait, j'ai rien de bien à rajouter au niveau 8, à part ça. Je prends 11 ou pas? Non, je prends pas 11, là. Large. Top 4! C'est une victoire. C'est une belle victoire. Hop. Le petit high roll qui fait plaisir. Salut petit man. Donc Malphite on n'aura pas, mais on va essayer de trouver Brome quand même. Dommage d'être à deux Brome, deux Brome 3 et de pas l'avoir. Et à deux Cog aussi, mais bon maintenant que je suis... Ah, plus que un Brome. Mais j'aurais pas les Cog. Ça donne quoi 4 cristals? Ça fait que les persos prennent que 60 de dégâts max. Par contre, tout le monde joue... Contre les H, ça sert à rien, par exemple. Hein. Ah, on va pas se mentir. Contre H, c'est pas dingue. H, elle ignore totalement ça. Ah, il va me niquer, lui. Il va me défoncer. Dommage. C'est pas loin en vrai, hein. Je suis pas loin de le battre. Bon, ça fait top 4.